Sur le fleuve Fraser, dans l'ouest canadien, le soleil vient tout juste de se lever. Mais l'activité autour des bateaux est déjà bien palpable. Okay, well, let's see what happens here. We'll give you a shot later. Okay, be careful out there. Okay. Darrell Myton est draveur depuis plus de 30 ans. Il est chargé de la manutention et du transport de trains de bois par flottage. Il fait équipe avec John McKenzie, qui est aussi son chef. C'est lui qui pilote le remorqueur. Cette entreprise de transport fluvial a été créée par son grand-père. John a 25 ans, et cela fait déjà 5 ans qu'il exerce ce métier à responsabilité. Aujourd'hui, on va descendre le fleuve avec un train de bois de 24 sections, comme la semaine dernière. Et ensuite, on le remontera. La journée s'annonce plutôt tranquille. Et voici Bill, le manager. C'est lui qui distribue le travail. Dans son cahier figurent toutes les informations sur le bois. D'où il provient, où il est entreposé et surtout, où il doit être livré. Au bureau, on ne se tourne pas souvent les pouces. Le téléphone sonne sans arrêt. On passe notre temps à répondre aux questions des clients. Ils veulent savoir où en est leur bois, quelles sont les conditions climatiques. Et nous, on s'efforce toujours d'être à l'écoute de nos clients. Les équipes se relaient toutes les 12 heures. Ainsi, John et Darrell doivent emprunter une vedette rapide qui les conduira jusqu'au remorqueur. L'ouest du continent américain est bordé par le Pacifique. Grâce à la douceur du climat océanique, les forêts de conifères se développent particulièrement bien ici. Depuis le 19e siècle, des milliers d'arbres sont coupés chaque année le long de la côte. Les troncs sont usinés dans des scieries, pour la plupart situées dans le bassin fluvial du Fraser, au sud de Vancouver. Les hommes se dépêchent. Ils n'ont pas une minute à perdre, car il n'est pas question pour leur patron de payer des heures supplémentaires inutiles. Les trains de bois qu'ils remorquent peuvent faire jusqu'à 1 km de long. La marée descendante a des effets sur le fleuve. Pour rejoindre son embouchure, les draveurs comptent bien tirer profit du courant créé par l'eau qui se retire. John et Darrell embarquent sur le Dorothy McKenzie, un remorqueur qui porte le nom de la grand-mère de John. Le rythme de travail est simple, 7 jours de travail, puis 7 jours de repos. Les collègues qu'ils viennent remplacer ont 12 heures de travail derrière eux. Après un rapide briefing, le capitaine et son aide de pont s'empressent de quitter le navire pour aller se coucher. Sur toute la partie inférieure du Fraser, la nature et les animaux sauvages ont dû céder leur place à des habitations et des industries. Vancouver s'étend et colonise les rives du fleuve. Il y a toujours un risque de se retrouver dans une situation difficile. Le courant est si fort que le bateau peut chavirer. Mais quand on sait nager, tout va bien. Ce n'est que de l'eau. Quand je ne travaille pas, je ne vais jamais nager ou faire du kayak. J'ai suffisamment l'occasion de nager quand je tombe dans le Fraser. Et croyez-moi, nager là-dedans, ce n'est pas une partie de plaisir. Mais une chute inopinée dans l'eau glacée et boueuse du fleuve Fraser n'est pas le seul danger. Faites attention à ce câble, il peut se rompre à n'importe quel moment. Ça pourrait vous blesser, voire même vous tuer.
Les 3 tonnes de traction qu'exerce le bois sur le remorqueur sont un danger permanent pour l'équipage et ceux qui l'entourent. John est donc toujours épaulé par un second bateau. Avec plus de 1000 chevaux sous le capot, le Dorothy Mackenzie serait assez puissant pour remorquer seul un train de bois comme celui-ci. Mais pour passer les virages et les ponts, il a absolument besoin de l'aide d'un deuxième remorqueur. On ne va pas le réparer maintenant. On s'en occupera à l'embouchure du fleuve. Alors faites-moi plaisir. Écartez-vous de là. La partie la plus délicate commence un peu plus loin. Les montagnes rocheuses sont proches, et en été, lorsque l'eau de la fonte des neiges vient gonfler celle du fleuve, les trains de bois sont difficiles à maîtriser. J'essaie d'utiliser au mieux le jeu des différentes forces. Une collision avec les piliers des ponts peut avoir de graves conséquences, surtout pour les draveurs. Dans le pire des cas, notre bois est fichu. Et en plus, on doit réparer ou payer les dégâts causés au pont. Ce job, c'est un défi permanent. On fait tous les jours la même chose, mais à chaque fois, c'est différent. Et les ennuis arrivent toujours plus vite qu'on ne le pense. Ce matin-là, le fraseur est docile et le remorqueur franchit tous les ponts sans aucun problème. Pour l'équipage d'un autre remorqueur, la journée de travail commence dans les airs. Le capitaine Barry Higgs et Joe, son aide de pont, vont remplacer leurs collègues dans la baie Howe, à environ 50 km de là. Pour eux aussi, le temps, c'est de l'argent. Et en hydravion, le changement d'équipe se fait plus rapidement. L'embouchure du fleuve Fraser est la plaque tournante du bois de flottage dans la région. C'est là que sont parqués les convois qui seront ensuite acheminés vers les scieries en remontant le fleuve. Mais les deux mariniers poursuivent vers le nord, direction la baie Howe, au nord de Vancouver. C'est à cet endroit que l'on dépose le bois coupé dans un rayon de 500 km le long de la côte. Barry fait ce métier depuis plus de 30 ans. Il connaît par cœur la côte aux alentours de Vancouver. Les remorqueurs et la drave, c'est toute sa vie. Aujourd'hui, Barry et Joe doivent sortir un train de bois de la baie Howe et le remorquer jusqu'au fleuve Fraser. Un trajet d'une cinquantaine de kilomètres qui les fera passer devant la mégapole de Vancouver et qui normalement devrait se faire en une journée. Un autre équipage prendra leur relève dans la soirée, à mi-parcours. Pour les deux hommes, naviguer dans la baie, c'est un peu l'occasion de se la couler douce. Pour nous ici, c'est presque des vacances. Sur le fleuve, c'est très stressant, tout va très vite. Alors que là, c'est plutôt calme. Sauf quand le temps se met à changer, là, ça peut devenir tendu aussi. Mais sinon, la baie Howe, c'est vraiment les vacances. Grâce à des moteurs toujours plus puissants,
les remorqueurs peuvent aujourd'hui tirer des trains de bois d'une surface de plusieurs terrains de football et long de 2 km. Vérifie si les câbles sont bien attachés. Un gros train de bois est constitué de plusieurs petits, maintenus par des cadres formés de 4 rondins. Ces cadres sont reliés les uns aux autres par de grosses chaînes. Chaque train est composé de petits lots de troncs, eux aussi maintenus par des câbles. Chacun fixe les câbles à sa manière. C'est pour ça qu'on vérifie le travail de l'autre équipe. Ils font ça à leur façon et nous à la nôtre. Barry et Joe se dépêchent de quitter les eaux salées du détroit pour rejoindre le fleuve Fraser. Car dans l'eau de mer, les troncs d'arbres sont à la merci des tarets, des mollusques xylophages qui creusent des galeries dans les bois immergés, provoquant d'importants dégâts en un minimum de temps. Quand il n'est pas à la barre, Barry s'occupe de la maintenance des machines. Deux fois par jour, il descend dans le ventre du bateau, contrôle les instruments, vérifie la température et s'assure que son moteur tourne rond. Il y a 20 ans, un ingénieur, un cuisinier et un second faisaient encore partie de l'équipage. Mais les temps ont bien changé. Avant, on partait avec notre train de bois et on ne voyait personne pendant plusieurs jours. On rassemblait notre bois, on discutait un peu avec les bûcherons et puis c'est tout. Maintenant, le téléphone sonne sans arrêt. Il y a le bureau qui t'appelle, les pilotes et même ta femme. Oui, les choses ont bien changé. Mais c'est comme ça partout dans le monde. Retour sur le fleuve Fraser. Le Dorothy Mackenzie se dirige à plein régime vers l'embouchure du fleuve. Le bateau doit absolument arriver avant la marée montante, sans quoi les derniers kilomètres à contre-courant risquent d'être bien longs. Un apprenti a embarqué sur le deuxième remorqueur. L'aide de pont l'accompagne pour ses premiers pas sur les rondins. Ce matin, il doit apprendre à fixer des câbles sur les sections du train de bois. Quatre mois d'école et trois mois de pratique sont nécessaires à la formation. À raison de $70,000 par an, le métier d'aide de pont est plutôt bien payé. Et le fait de travailler une semaine sur deux est lui aussi appréciable. Pourtant, de moins en moins de jeunes choisissent d'exercer cette profession. C'est un métier dangereux. On peut se faire écrabouiller les mains ou les pieds si on ne fait pas attention. Mais pour que le métier rentre, il faut pratiquer. Et je lui dis de ne faire que ce qu'il sait faire. Ça commence à venir. Mais le premier jour, c'était l'horreur. Darrell enfile ses chaussures pour une petite randonnée sur les troncs d'arbres. Elles prennent tout le temps l'eau. Je change régulièrement les chaussettes, le doublage, mais les pieds restent mouillés. Ces chaussures-là, elles ne sèchent pas en 20 minutes. Pas sûr que l'adhésif autour des chaussettes permette à Darrell de rester au sec. Le fleuve Fraser arrive tout droit des montagnes, ce qui fait que même en été, la température de l'eau ne dépasse pas 15 degrés. Les chaînes sont comme du papier de verre. Au bout d'une semaine et demie, mes gants sont déjà complètement fichus.
mais je les porte quand même, à cause de l'eau qui est tellement froide. Là, j'ai mis un produit dessus, alors peut-être qu'ils tiendront une semaine de plus. Mes mains aussi sont dans un sale état. La peau est rêche et j'ai de belles crevasses. Pour Darrell, les choses sérieuses commencent. En cours de route, il doit détacher un train de bois du reste de la cargaison. Pour défaire les chaînes fixées au cadre de bois, il doit d'abord les sortir de l'eau. Darrell se dépêche. S'il dépasse la scierie, ils devront faire demi-tour et donc remorquer le train de bois à contre-courant. Et bien sûr, comme souvent, ça coince quand il ne faut pas. Mission accomplie. L'aide de pont retourne vite à bord. Darrell saute comme un cabri de rondin en rondin. Grâce à 30 ans d'expérience, et une bonne paire de chaussures. L'important, c'est d'avoir confiance en soi et de porter des chaussures bien adaptées. Elles ont des petits clous sous la semelle. Heureusement qu'ils sont remplaçables, parce qu'au bout de 3 mois, ils commencent à s'user, et nous, on commence à glisser. Et glisser d'un tronc d'arbre, ce n'est vraiment pas drôle. J'essaye d'éviter ça. Il y a déjà assez de héros par ici. Le reste de la cargaison est emmené dans l'embouchure du fleuve, une sorte d'immense entrepôt de bois de flottage. C'est ici qu'arrivent les trains de bois de la baie Hao. Ils seront ensuite remorqués jusqu'aux scieries du fleuve Fraser avec la marée. On suit au maximum le cours des marées. Quand on remonte le fleuve alors que l'eau descend, on consomme trop de gazole. C'est pas très écologique. John et Darrell descendent le fleuve uniquement lorsque, comme aujourd'hui, ils doivent livrer des rondins et carriques qui serviront à assembler de nouveaux trains de bois dans la baie Hao. Darrell amarre le train de bois à la rive pour que la marée ne l'emporte pas en pleine mer. Il restera ici jusqu'à ce qu'un autre bateau l'emmène à la baie Hao. Plus loin, en mer, l'autre équipage remonte sa cargaison. Entre-temps, Berry a eu de nouvelles consignes. Lui et son aide de pont vont être remplacés par un bateau plus gros. Son équipage plus important pourra rester à bord jour et nuit pour s'occuper du train de bois. De plus, le vieux Troy donne des signes de faiblesse. Berry est vraiment frustré. On a fait tout le boulot et c'est eux qui récoltent les lauriers. Ouais, mais... ils doivent encore le sortir de là. John Smith va arriver. Un sacré zèbre, celui-là. On se connaît depuis l'enfance. Il va arriver avec un sourire jusque-là, et nous, on va se retrouver le bec dans l'eau. H.N. Hodder, R.N. Hodder. Ils le font exprès.
Ils ne répondent ni au téléphone ni à la radio. Ils s'approchent tout doucement. Hey John, quittez pour me voler ma cargaison. Un pirate ou quoi? Nous aussi on a besoin de boulot. Il faut bien qu'on gagne notre croûte. J'ai comme l'impression qu'on va être obligé de vous la donner. On va vous filer un coup de main pour le halage. Je passe te voir pour le bon de livraison. Les équipes vérifient ensemble le chargement et surtout ses attaches. Pour Berry, fini le calme des eaux de l'embouchure. Il doit retourner sur celle plus inhospitalière du Fraser. Ok, Berry, merci pour la cargaison et à bientôt. Bande de pirates! Vous nous avez volé notre train de bois! Pour rejoindre le fleuve Fraser, ils ont 30 milles à parcourir. En chemin, ils passent au large de Vancouver et de ses gratte-ciels. J'ai demandé à Billy s'il y avait du bois à remorquer, mais il m'a répondu que non. Depuis plusieurs jours, les affaires tournent au ralenti. Près de l'embouchure du fleuve, les deux hommes décident d'attraper leur déjeuner. Je le jette ici? Ça me va. Les crabes n'ont qu'à bien se tenir. La marée commence à monter. John et Darrell cherchent un train de bois qu'ils doivent remorquer en amont du fleuve. On n'a qu'à en prendre un au pif. En réalité, un ingénieux système de numérotation permet aux draveurs de retrouver leur bois sans problème. Tous les trains de bois sont marqués. Et Darrell ne met pas longtemps à trouver celui qu'il doit amarrer au remorqueur. Avec les trains de bois, des passagers clandestins ont débarqué dans la baie Hope. Ils font une petite sieste. Ils ont un long voyage derrière eux. Ils sont à 50 km de chez eux, où ils ont laissé tous leurs amis. À chaque fois, enchaîner le train de bois est une vraie gageure. C'est le genre de truc qui vous pourrisse la vie. John, recule! Il faut que je sorte la chaîne du trou! J'y vais tout doucement, en faisant bien attention à ne pas lui rentrer dedans et surtout à ne pas le faire tomber. La sécurité de Darrell est entre les mains de son capitaine. La confiance entre les deux hommes doit être totale. Et la communication, primordiale. Remorquer un train de bois sur une longue ligne droite ne pose pas de problème, surtout s'il n'y a pas de pont sur le trajet. Pendant que le Dorothy Mackenzie remonte tranquillement le fleuve, Darrell en profite pour lui refaire une beauté.
John et Darrell ont encore plusieurs ponts à passer avant le changement d'équipe. Le remorqueur n'arrivera pas au Ciré avant le soir. L'équipe de nuit devra donc livrer la cargaison dans le noir. Le lendemain, Barry et Joe ont reçu une nouvelle mission. Good morning, Len. Good morning. Very nice. Very nice. Another day. Another day, another dollar. Uh-huh. Yes. Have a good sleep. Good. Barry a le temps de savourer le lever du soleil. Aujourd'hui encore, le carnet de commandes n'est pas très rempli. Le capitaine et son aide de pont doivent remorquer un train de bois jusqu'au dépôt. Pour la suite, ils ne savent pas trop quel sera leur planning. La centrale nous appelle et nous dit « Allez là, allez ici, allez là-bas. » On ne sait jamais à l'avance qui va nous tomber dessus. On fait un truc, et deux heures plus tard, on doit aller ailleurs. Et quelques heures après, encore ailleurs. On ne sait jamais à l'avance. On passe notre temps à regarder derrière nous. À force, ça fait mal à la nuque et au trapèze. Les remorqueurs doivent tourner 24 heures sur 24 pour approvisionner toutes les scieries du fleuve. Mais ces dernières années, beaucoup d'entre elles ont fermé leurs portes. La faute notamment à la concurrence indienne et chinoise. L'autre problème est la flambée des prix du pétrole. La faiblesse du dollar se fait surtout sentir à la pompe à essence. Le bateau de Berry en consomme jusqu'à 150 litres par heure. Son réservoir contient 8000 litres de gazole, à peine de quoi tenir deux jours. À 130 dollars le baril de pétrole, vous imaginez un peu ce que ça coûte de faire tourner un bateau 24 heures sur 24. Au bureau, ils font des bons quand ils doivent payer les factures. Moi, je touche mon salaire. Mais les chefs, eux, ils doivent payer les factures. Le secteur du transport est totalement dépendant du prix du carburant. C'est ça le problème. Les temps changent sur le Fraser, comme en témoignent les rives du fleuve. Autrefois défigurées par les cheminées d'usines, elles accueillent aujourd'hui un nombre croissant de villas. La société qui emploie Berry possède son propre entrepôt dans l'un des bras morts du fleuve Fraser. Des millions de dollars sont stockés ici. Du bois de cèdre, d'épicéa et de sapin, qui peuvent sans problème rester un ou deux ans dans l'eau. Mais depuis quelque temps déjà, les draveurs n'utilisent plus la totalité de la zone de stockage du Fraser, la demande ayant sensiblement baissé. La situation de l'industrie du bois s'est nettement dégradée ces dernières années. Si ça continue, il va bientôt falloir que j'aille bosser sur un fleuve russe. Les affaires ne vont pas trop bien en ce moment. Mais j'espère que je pourrai rester en activité jusqu'à ma retraite. Changement de programme. Berry doit maintenant retourner dans la baie Howe pour remorquer un gros train de bois sur le fleuve. Dans la baie, d'énormes barges ramènent les troncs d'arbres qu'elles sont allées chercher à 500 km à la ronde. Leur cargaison pèse jusqu'à 3000 tonnes.
Pour décharger le bois, les mariniers immergent les ballasts des barges de manière à les faire chavirer. Les troncs sont ensuite triés et assemblés en train de bois. Pendant ce temps, Berry a déjà récupéré sa cargaison. Il ne lui reste plus que quelques kilomètres à parcourir jusqu'à la baie de Vancouver, mais un fort vent d'ouest menace de le retarder. On tire plusieurs millions de dollars derrière nous. Avec le vent, le chargement se met à travailler. Dans un train de bois comme celui-ci, il suffit d'un maillon faible dans la chaîne. Il suffit qu'un seul tronc parmi des centaines se fasse la malle pour te gâcher ta journée. Aujourd'hui, Darrell et John doivent faire un peu de ménage dans les entrepôts des scieries. Darrell va donc passer sa journée à enchaîner et déchaîner des trains de bois. Un travail qui n'est pas de tout repos. D'autant plus que l'équilibre est toujours assez précaire. Bien que l'aide de pont et son capitaine travaillent main dans la main, leurs journées n'ont rien en commun. Quand il y a beaucoup à faire, ma journée passe plus vite. Mais pour lui, c'est plus dur. Moi, j'aime bien les petits trajets. Lui, il préfère quand ça dure plus longtemps. À la barre, on s'ennuie sur les longs trajets. Ce matin, Darrell ne risque pas de s'ennuyer. John prépare déjà la prochaine mission. Certaines missions sont vraiment stressantes. Parfois, on est tellement crevé qu'on a du mal à finir la journée. Un jour, je suis tombé sur le dos en me redressant d'un tronc. J'ai dû aller à l'hôpital. J'avais un nerf de coincé. 6 semaines d'arrêt maladie, juste pour un faux mouvement. Darrell aimerait travailler encore 5 ans, si toutefois son dos le lui permet. Le Dorothy McKenzie pousse de petits lots de bois jusqu'aux abords de la scierie. Là, ils sont pris en charge par des sidewinders, des petits bateaux très maniables qui ressemblent un peu à des auto-tamponneuses. Leur rôle est de pousser le bois sur les grues de chargement. Là, les lots sont détachés et les troncs hissés jusqu'à la scierie. Les troncs sont déjà triés par espèce. Pilotés par ordinateur, un laser relèvera ensuite leur taille exacte. Les rives du fleuve Fraser accueillent les scieries les plus modernes du monde. À une vitesse vertigineuse, les troncs d'arbres sont transformés en planches par une multitude de scies automatiques.
La plupart de ces planches sont destinées au marché américain. Ici, on dit que lorsque l'économie américaine s'enrhume, les Canadiens attrapent la pneumonie. Dans la baie Howe, Berry doit garer son immense train de bois. Hey, Joe, il faudra une extension supplémentaire. On garde la procédure standard. Au large, le vent n'a pas encore faibli. Parfois, on est obligé de rester quelques jours ici. C'est le seul endroit où on puisse attendre dans la baie Howe. Et à cause des marées, on ne peut pas laisser la cargaison toute seule. À marée basse, elle serait vite à sec. Alors régulièrement, on remonte le train de bois. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'attraper leur déjeuner. Un pêcheur de langoustes vient justement à leur rencontre. Chez le poissonnier, une livre de langoustes coûte près de 20 dollars. Pour les draveurs, c'est gratuit. Mais ce n'est pas sans arrière-pensée. Il faut qu'on les bichonne, sinon ils nous bousillent tous nos casiers. Thanks very much, Cap. You too. Sur les rochers abrupts qui bordent le fleuve Fraser, les petites cabanes de bûcherons ont depuis longtemps cédé la place aux somptueuses villas des Happy Few de Vancouver. Ici, l'ouvrier de base ne peut plus s'offrir de maison. Avant, des gens très modestes habitaient sur cette île. Certains sont restés et ont gagné pas mal d'argent. Quand j'étais jeune, pour une poignée de dollars, j'aurais pu acheter beaucoup de terrain avec vue sur la mer. Mais aujourd'hui, ça vaut plusieurs millions de dollars. Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. La plupart des armateurs possèdent un petit chantier naval où ils effectuent les réparations sur leurs remorqueurs. Des réparations qui doivent se faire le plus vite possible. Car un remorqueur qui ne navigue pas est un remorqueur qui ne rapporte pas d'argent. Ken McKenzie est le grand-père de John. À 88 ans, il suit toujours de près les affaires de son entreprise. Où tu vas, John? Et je nous ai trouvé du boulot. Faut que ça tourne. John vient de recevoir une nouvelle mission. Il n'a pas vraiment le temps de bavarder. Allez, Darrell. Le temps, c'est de l'argent. Quand faut y aller, faut y aller. Bon voyage. Allez, les jeunes, partez, gagnez votre croûte. Dans la baie Howe, les mariniers sont protégés du violent vent d'ouest qui souffle au large de Vancouver. Ici, il fait même beau. Alors Berry et Joe en profitent pour décortiquer leurs langoustes au soleil en attendant de pouvoir repartir. Un des bons côtés du métier de draveur. En fait, ce métier, on tombe dedans tout petit, comme dans un chaudron. Mon père était draveur, celui de Joe aussi. L'été, on les accompagnait au boulot et on adorait ça. La mer, le ciel bleu, la côte et tout ça. Mais après l'école, quand on commence à bosser pour de vrai, on s'aperçoit qu'il y a aussi l'hiver, la pluie, la glace et les tempêtes. Mais c'est trop tard, on a déjà chopé le virus. This is perfect for my waistline. Hey, I hope the next batch will have steak and butter.
malgré la rudesse et les dangers de ce métier, aucun draveur du fleuve Fraser n'a jamais regretté d'avoir choisi cette voie. C'est un job très gratifiant. On travaille en plein air, c'est sympa. Et quand on rentre, on a vraiment l'impression d'avoir servi à quelque chose, et ça, c'est très important. Je n'ai jamais eu envie d'être capitaine. Trop compliqué. Pour moi, ce serait trop de pression, trop de stress. Ce job aurait eu ma peau depuis longtemps. Beaucoup d'hommes paient un lourd tribut à ce métier. Certains doivent partir prématurément à la retraite, d'autres n'ont même pas le temps d'y arriver. Pour eux, c'est direct le repos éternel. Si les remorqueurs se font plus rares sur le fleuve Fraser, ils ne disparaîtront jamais totalement. Car tant qu'il y aura du bois à couper dans les forêts canadiennes, il y aura des draveurs pour le transporter.